Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gilles en direct du Cameroun. Oui, ce soir encore en direct du Cameroun parce que nous sommes actuellement au Cameroun pour développer le pays. Et je voudrais remercier déjà l'ensemble des personnes qui sont présentes, mais également toutes les personnes qui sont en train de réaliser qu'elles sont en train de nous suivre également très certainement sur oui, pardon, le petit son, je l'ai un peu switché. Eh bien, tout simplement parce que nous avons eu l'occasion de faire une diffusion Facebook ce soir et on espère que cela fonctionne bien pour vous. Je voudrais également préciser à nos amis camerounais qui se sont rendus au bureau dans le secteur Makepe, s'ils sont connectés, eh bien, que nous avons dû changer pour une question de coupure d'électricité malheureusement dans le secteur là-bas, donc ce qui fait que on ne pouvait bien sûr pas intervenir avec de la lumière et accueillir des gens. Donc nous avons mis en place eh bien un autre endroit qui est celui où nous accueillons habituellement les gens dans notre salon ici à Douala au Cameroun, et c'est donc en direct de Douala du Cameroun que je vous parle ce soir et que nous allons aborder eh bien partenariat, qui est une des formes de développement de business que nous proposons. Et il n'y a pas spécifiquement dans ce sens de présentation de projet d'émetteur d'une offre dans cette soirée. C'est tout à fait orienté sur le partenariat et le développement donc de ce partenariat. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, vous avez donc d'un côté ce que vous faites. L'investissement sur le projet des moteurs d'une offre. Vous avez un retour sur investissement qui se fait à un moment donné sur 2 ou 3 ans, mais vous avez aussi associé à cela un autre business qui vous permet de gagner de l'argent immédiatement. Et c'est plus dans ce sens-là que je vais vous parler ce soir. Nous allons donc de ce fait démarrer. Dans quelques petites secondes, je vous ai mis quelques images des grandes conférences qui se déroulent dans le cadre de Solar Group. Et nous préparons aussi, il faut le dire, activement, eh bien, la conférence qui aura lieu ici au Cameroun, d'où je vous parle, pour les prochaines mois, dans les prochaines semaines. Nous avons donc de grands rendez-vous qui seront pris ici dans le pays. Et si vous connaissez vous-même des gens qui sont au Cameroun et que vous-même vous habitez peut-être un autre pays que celui dont je vous parle actuellement, eh bien, n'hésitez pas à envoyer des gens parce que c'est aussi un petit peu dans ce sens que nous organisons tous les jours des manifestations, des présentations et que nous publions aussi dans les différents forums les rendez-vous et les dates et les adresses des différents endroits où se déroule quelque chose et une présentation. Du projet des moteurs de Yuna. Donc, c'est à cela que cela doit servir. D'ailleurs, ça fait aussi partie du partenariat, c'est d'utiliser les adresses en question pour que vous puissiez envoyer d'autres personnes qui ne sont pas forcément des voisins ou des amis qui sont proches et qui sont dans votre entourage proche, mais qui pourraient se trouver dans d'autres pays. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec Internet, eh bien, on a la possibilité d'avoir des amis un peu partout, à travers le monde. Et que dans ce sens, eh bien, on a aussi l'occasion de vous donner ces adresses pour que vous puissiez aller prospecter, voir d'autres personnes ou inviter d'autres personnes dans d'autres pays. Donc, ce soir, nous allons à nouveau partir sur le programme de partenariat et je vais de ce pas eh bien, partager mon écran avec vous concernant cette soirée de partenariat en question. Eh bien, le temps de retrouver rapidement mon slide, comme on dit, et je vais vous envoyer bien sûr tout ça. Alors, un tout petit instant, ne quittez pas, nous allons essayer de trouver la solution pour que le diaporama puisse démarrer et on va essayer de voir si vous arrivez à le visionner. Ce qui n'est pas tout à fait sûr pour moi, parce que j'ai un petit branchement qui fait que
ce ne soit pas exactement comme je voudrais. Alors, ce n'est pas un problème, rassurez-vous, on va trouver la solution dans quelques secondes et on va tout simplement changer de paramétrage, ne bougez pas. Et bien voilà, c'est du direct. Voilà, et on est peut-être parti. Je ne sais pas si tout se passe bien de mon côté et qu'on va essayer de retrouver tout cela. Voilà. Mais mon petit dossier ne s'affiche pas là où il devrait s'afficher. Donc, on va essayer de remédier à tout cela. Alors, un petit instant, on va essayer de trouver la solution. En attendant, ça permet de voir qu'effectivement, il y a toujours un petit peu des retardataires qui vont peut-être arriver au fur et à mesure et que nous allons pouvoir tout simplement les placer ici, dans ce forum, pour pouvoir, dans ce Zoom, dans cette salle Zoom, où ils vont pouvoir suivre tout cela. Alors, je reprends encore une fois, mais voilà, ça y est, on va y arriver. Hop, c'est parti, et voilà, on y est. J'espère que vous voyez tous bien mon écran, ça m'intéresserait de savoir, comme ça vous pouvez me dire éventuellement si vous voyez bien tout cela. Et moi, je vais tout de suite essayer de voir si on arrive à faire fonctionner les slides, ce qui n'est pas sûr non plus. Eh bien, les slides sont affichés et on va pouvoir commencer. Le programme de partenariat, en fait, c'est une forme de coopération commerciale entre l'entreprise et les partenaires engagés dans la promotion informationnelle du projet. C'est-à-dire qu'on va ici déterminer qui, en l'occurrence, va développer les choses, c'est-à-dire comment on va les développer et pourquoi on va les développer de cette manière-là. La coopération se situe donc entre la société Solar Group et vous-même, et pour ce faire, eh bien, vous allez donc promotionner, vous allez donc partager des informations sur le projet en question autour de vous, et c'est ce qu'on appelle donc le programme de partenariat. Ce programme de partenariat, en l'occurrence, pour pouvoir le démarrer, vous avez une démarche à faire. C'est une démarche qui n'est pas obligatoire parce que d'un côté, vous allez avoir l'investissement qui vous est proposé dans le projet des moteurs de UNOF, mais vous avez aussi, d'un autre côté, le programme de partenariat non obligatoire. Si vous voulez participer à ce programme et donc gagner de l'argent, parce que je rappellerai que c'est le but, c'est de gagner de l'argent et de gagner de l'argent immédiatement, eh bien, vous allez pouvoir donc suivre ce programme de partenariat et surtout valider ce programme de partenariat en signant ce qu'on appelle le contrat de partenariat. Alors, la société verse aux partenaires un pourcentage des achats effectués par les clients inscrits via votre lien de parrainage, donc de partenariat, et c'est ainsi que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair pour vous. On va donc expliquer que vous avez d'un côté l'investissement et dans le projet des moteurs du UNOF, mais vous avez également la possibilité de gagner de l'argent si vous promotionnez et que vous partagez cette information et que vous parrainez des gens. Pour pouvoir parrainer des gens, vous devez signer le contrat de partenariat. Qu'est-ce que cela fait si on signe le contrat de partenariat? Eh bien, tout simplement, ça vous apporte de pouvoir accepter, en l'occurrence, de pouvoir gagner, avoir des gains de différents niveaux de parrainage que vous allez réaliser. Et ces gains, justement, on va les passer en revue ce soir pour bien vous expliquer que vous pouvez gagner de l'argent tout de suite, maintenant. C'est vrai que les gens qui investissent et qui doivent attendre 2 ans ou 3 ans, eh bien, trouvent souvent le temps un petit peu long, et on le répétera assez souvent dans cette soirée, mais là, vous avez la possibilité de gagner de l'argent tout de suite, point la peine d'aller investir dans des hypes où vous allez perdre de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent également ici chez Solar Group en tout simplement en invitant des gens et en étant parfaitement conscient que ici vous gagnez vraiment de l'argent et que la boîte ne va pas fermer dans 2 ou 3 semaines. Parce que c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, lorsque vous allez vous promener sur Internet et que vous cliquez et que vous adhérez à des sites qui vous rapportent des pourcentages ridicules par jour et que vous pensez que vous allez gagner rapidement beaucoup d'argent, ce qui est faux.
parce qu'au moment donné, ce système sont tous faits pour que vous puissiez perdre votre argent. Ici, vous gagnez de l'argent si vous avez bien sûr des partenaires qui investissent. C'est le rôle principal de Solar Group, d'attirer des investisseurs, pour faire une levée de fonds pour un projet qu'elle soutient. Le programme de partenariat que nous proposons vous apporte donc des gains rapides sans grand fonds d'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité de développer et de gagner de l'argent sans avoir même des sommes folles dans le business, parce que je vous rappellerai que c'est un financement participatif populaire et que dans ce cadre, vous investissez à la hauteur de vos moyens. Les horaires de travail sont libres. Je conseille toutefois de ne pas trop s'amuser à faire autre chose parce que les gens, des fois, vont un peu à droite, à gauche et ne voient pas tout à fait l'intérêt de pouvoir suivre un business de fond en comble et de A à Z et du début à la fin et jour et nuit. Il y a des gens qui ont encore un esprit très salarié, des gens qui restent chez eux et qui pensent que après l'heure, c'est plus l'heure. Nous sommes dans un business où vous êtes votre propre patron. Si vous ne réagissez pas en patron, c'est compliqué. Si vous avez à l'esprit que votre mode de fonctionnement du travail, où il y a des horaires et le dimanche on ne travaille pas, et le samedi on ne travaille pas, et le soir on ne travaille pas, eh bien vous resterez dans ce schéma de salariat et vous ne sortirez pas vraiment de ce carcan de toujours penser qu'on ne peut gagner de l'argent que par son salaire d'employés. C'est faux. Aujourd'hui, le monde évolue. Nous avons beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts une fois qu'ils sont à la retraite parce qu'ils ont cotisé pendant une quarantaine d'années selon leur salaire et qu'à arriver à un âge certain, eh bien, ils n'ont plus les moyens de payer ne serait-ce que leur loyer ou même à se payer à manger. Alors que s'ils étaient partis dans l'entrepreneuriat et une autre optique, une autre vision de la chose, eh bien, ils pourraient se faire de l'argent petit à petit au fil du temps et gagner progressivement à faire des revenus passifs illimités et surtout avoir aussi des revenus qui pourraient tomber une fois arrivés à un certain âge sans avoir besoin de trimer et trimer encore. Ça, on ne dit pas qu'on doit quitter les emplois. Aujourd'hui, avoir un emploi, c'est déjà bien. Ça permet déjà de gagner de l'argent et nourrir sa famille. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat vous permet de gagner plus que si vous étiez salarié. C'est ça que je veux dire. Accessibilité et transparence. Il faut savoir que nous publions tous les jours des informations. Je préciserai que même ce soir encore, il y a des informations qui sont tombées dans le back-office et qui sont en langue russe parce que nous soutenons donc ce programme qui est russe, une start-up russe qui s'appelle SolarMatch. Et les informations qui nous proviennent de cette société et de Solar Group sont nombreuses, y compris de ses partenaires. Et nous diffusons régulièrement des informations traduites en français. Donc si vous voyez ça et là des images en russe ou des textes en russe, soyez rassurés que nous les traduisons assez rapidement. L'accessibilité et la transparence, c'est qu'on vous montre chaque jour ce qui se passe aussi bien dans Solar Group que dans SolarMatch et donc l'évolution du projet dans lequel vous allez investir. Un revenu passif illimité, c'est également ce qui vous est proposé. Un revenu passif illimité, ça veut dire que pendant que là, je vous parle en ce moment, j'ai des dollars qui tombent dans mon compte. Si je dors, j'ai des dollars qui tombent dans mon compte. Et ce revenu passif illimité, vous allez pouvoir vous constituer en parrainant des gens et en constituant ce qu'on appelle une structure de parrainage. Cette structure de parrainage, vous devez la construire et elle ne se construit pas en un jour. Ce n'est pas simple de faire ce qu'on appelle du marketing de réseau, de faire du parrainage. Il y a des gens qui pensent que c'est simple. Moi, je dis que c'est difficile. C'est surtout difficile au début. Il faut surtout beaucoup s'accrocher parce que les esprits négatifs et les gens qui n'ont aucune vision, ça existe beaucoup trop, et les gens qui sont ancrés dans le salariat également. Et il faut en sortir un peu de ce carcan et avoir d'autres idées et d'autres perspectives d'avenir. Donc voilà aussi ce que moi je vous propose dans ce sens. Alors,
Les outils et les matériaux pour le travail sont également disponibles et sont disponibles notamment dans le back-office, c'est-à-dire dans le compte Solar Group que vous avez ouvert, que l'on vous a ouvert, on vous a aidé à ouvrir. Et dans ce cadre, ça serait vraiment aussi important de pouvoir voir où sont ces outils. Et c'est ce que nous allons regarder ce soir. C'est là aussi qu'on va vous guider. Vous voyez, des webinaires comme celui-là sont également un outil de travail. Vous pouvez le montrer à d'autres personnes et vous pouvez leur donner des informations qui permettent effectivement à d'autres personnes de rejoindre la famille Solar Group. Et ces outils sont également ce webinaire dont je diffuse largement les replays après coup en mettant par exemple des diffusions sur YouTube et de donner le lien à travers les réseaux sociaux. Les gens sont particulièrement invités à regarder ce que je raconte parce que c'est vrai que lorsqu'on est interrogé sur les réseaux sociaux, on ne peut pas toujours répondre pendant 1h30 à chaque personne individuellement. Et que ces webinaires sont de ce fait réalisés pour qu'un plus grand nombre et un nombre certain de personnes puissent regarder et puissent le partager ensuite et surtout le regarder. Parfois, les gens ne font que survoler les images en quelques secondes et n'écoutent absolument pas ce qui est dit. C'est fort dommage parce que toutes ces explications que je donne sont nécessaires et on ne peut pas claquer les doigts et en 3 secondes vous faire ingurgiter 1h30 d'informations. Si je voudrais signaler quand même que je vous rappellerai que je suis en direct du Cameroun et que nous avons parfois des instabilités Internet et que si vous avez éventuellement une coupure qui devrait arriver, eh bien, n'ayez crainte, restez dans la salle. Je ferai tout nécessaire pour revenir aussi vite que possible. Donc, je préfère prévenir parce que ça m'indique de temps en temps qu'il y a une petite faiblesse dans la connexion. Nous allons partir sur le plan de marketing qui est proposé dans le programme de partenariat. Il faut savoir que lorsque vous signez le contrat de partenariat, eh bien, vous êtes donc à ce moment-là partenaire. Donc, vous devenez quelqu'un qui vient d'arriver, qui est tout nouveau. Et en étant tout nouveau, eh bien, vous allez pouvoir développer quelque chose d'intéressant. Mais vous avez aussi une possibilité de monter en grade ou d'avoir des statuts supplémentaires. Ces différents statuts sont notamment spécialistes, professionnels, et tout cela apporte des gains supplémentaires à chacun dans la mesure où eh bien, vous avez donc une possibilité de grimper et de passer de l'un à l'autre. On va voir tout à l'heure comment vous allez passer de l'un à l'autre parce qu'il faut donner quelques explications et c'est souvent la première réflexion que l'on a. On se demande comment on peut passer, par exemple, de partenaire à spécialiste, de spécialiste à master, expert et professionnel. Vous voyez aussi que sur mes images ici, vous avez donc une progression possible avec non seulement des noms qui sont partenaires spécialistes, master expert et professionnel, mais aussi surtout des dollars qui s'accumulent, un dessin de dollars, 2 dessins de dollars, etc., ce qui explique que vous pouvez gagner, bien sûr, plus d'argent à chaque fois en évoluant à l'intérieur du programme de partenariat. Le plan marketing que vous attendiez et savoir combien vous allez gagner, eh bien, je vous propose tout de suite pour vous à l'écran. Il s'agit donc de 15% au premier niveau. Je voudrais juste inviter les différentes personnes qui sont peut-être dans la salle à éviter d'allumer les micros parce que eh bien, cela dérange ma présentation. Alors, on va essayer de repérer quel est la plus nous fait ce petit cinéma là dans la salle. Et donc, à ce moment-là, on va tout de suite eh bien, l'exclure de la salle, comme je l'ai déjà dit, dans la mesure où on ne peut pas, je ne peux pas parler quand il y a des gens qui font des bruits à l'extérieur. Désolé pour la personne, elle n'a qu'à revenir et surtout couper son micro. Je vous invite surtout à ne pas enclencher vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je fais comme avec cette personne, je vous exclue tout simplement de la salle et vous regarderez le replay. Comme ça, ça sera mieux et tout le monde travaillera en paix. Donc, j'ai prévenu, si vous n'avez pas écouté, que vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, tant pis pour vous. Moi, je ne peux rien pour vous si vous ne faites pas le nécessaire pour suivre correctement.
Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer à nouveau le programme ici qui consiste à gagner de l'argent sur Solar Group. Vous gagnez au premier niveau 15%. 15%, c'est assez conséquent au vu des autres programmes qui sont souvent proposés dans l'affiliation. Et les 15% sont donc une somme intéressante pour pouvoir progresser. Pourquoi ? Parce que souvent on trouve du 2, 5%, 10% maximum. Encore récemment, j'ai vu un plan de marketing, c'était 10% et pas plus. Donc vous voyez que nous, déjà, chez Solar Group, on propose du 15%, c'est déjà pas mal. Je trouve que ça change un petit peu. Nous avons au deuxième niveau 4%. Donc 4% aussi, c'est intéressant parce que là, on a une progression de 2%, 1% en tant que partenaire. Maintenant, on va passer à spécialiste et bien sûr, je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va passer de partenaire à spécialiste et comment on passe d'un statut à l'autre. Mais auparavant, je voudrais repasser la grille des pourcentages en revue. Vous voyez que, alors, en tant que spécialiste, vous gagnez donc au deuxième niveau, cette fois-ci 5%. Et puis, au 4%, au troisième, 2% et 1%, on a donc ouvert un niveau supplémentaire. C'est intéressant parce que là, on ouvre déjà un cran. Et si vous avez déjà des filleuls qui ont parrainé d'autres filleuls, eh bien, ça vous permet d'avoir un peu plus de gains par rapport à tout ça. Et en plus, vous avez vu que le pourcentage augmente. Maintenant, si on regarde ensuite le statut de master, eh bien, en tant que master, vous gagnez déjà 7% au deuxième niveau, puis 5%, 3%, 2%. Et là, une petite erreur, ce n'est pas 2%, mais c'est 1% l'avant-dernier. Pardon, et c'est 0,5% pour le dernier cran. Donc, vous avez également, en tant qu'expert, 15%, 7%, 5%, 4%, 3%, et vous voyez que ça augmente et on ouvre l'écran jusqu'au 9e niveau. Et puis, en tant que professionnel, eh bien, ma foi, la page n'étant pas assez grande, on a indiqué par en bas que c'est 10e ou 20e niveau que vous touchez 0,3%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans Solar Group, on est capable de vous payer sur 20 niveaux. Ce qui est déjà assez conséquent et ce qui est fort intéressant pour justement quelqu'un qui veut développer un tout petit peu le business et qui peut gagner et avoir des gains assez rapides. Voyons maintenant comment on passe de l'un à l'autre et quelles sont les différents statuts que l'on peut avoir. En tant que partenaire, eh bien, vous avez bien signé le contrat de partenariat, vous êtes donc tout nouveau dans le business et vous commencez. Vous avez la possibilité de recevoir un bonus de partenariat sur 4 niveaux de structure. Et donc, ces 4 niveaux, je vous le répète ici, sont de 15% au premier niveau, 4% au deuxième, 3% au deuxième et 1% au quatrième niveau. C'est important de voir qu'en tant que partenaire, donc tout nouveau, vous gagnez déjà pas mal d'argent à travers les différentes positions. Maintenant, comment fait-on pour passer à spécialiste? Eh bien, en tant que spécialiste, votre volume d'investissement personnel doit être au moins de 250 dollars. Au niveau 1, c'est-à-dire juste en dessous de vous, c'est-à-dire la première ligne des gens que vous avez parrainés personnellement, eh bien, ces personnes doivent avoir au moins investi 100 dollars pour deux d'entre elles. Pour deux d'entre elles, se représente donc 200 dollars plus vos 250 personnels, ce qui vous donnera au premier niveau plus vous-même 450 dollars. J'espère que vous avez suivi le mécanisme. Voyez donc ce qu'il y a sur mon slide. Vous voyez qu'il y a bien 250 dollars d'investissement personnel, avoir deux personnes qui ont investi chacune 100 dollars, ce qui vous donne donc 250 plus 2 fois 100, 200, égale 450. Et vous devez avoir ces deux personnes qui sont des filleuls directs, c'est-à-dire pas les filleuls des filleuls, mais vos filleuls personnels, donc juste en dessous de vous. À partir de là, que vous avez atteint 450 dollars sur l'ensemble entre vous et les deux fameux filleuls qui ont investi 100 dollars, vous passerez donc spécialiste. Et là, en tant que spécialiste, eh bien, on va réviser le taux de rémunération qui sera de 15% au premier niveau, 5% au deuxième niveau, 4% au troisième, 2% au quatrième et 1% au cinquième niveau. Voilà donc la grille de rémunération d'un spécialiste. Après, c'est un statut beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Il s'agit du statut de master. Le volume des investissements personnels pour être master serait au moins de 500 dollars. Donc, vous devez, par exemple, avoir déjà payé un premier pack de 500 dollars intégralement ou avoir payé 500 dollars, la moitié d'un pack, par exemple, de 1000 dollars.
pour pouvoir bénéficier de ce statut de master. Ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir aussi au moins 3 personnes au premier niveau, c'est-à-dire vos filleuls personnels, qui ont investi 200 $ chacun. Donc, 3 filleuls à 200, ça fait 600, plus 500 vous-même, ça fait 1100 $ entre le premier niveau et vous-même. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez également un troisième critère pour devenir master. Il faut que dans l'ensemble entre vous-même et tous les filleuls du premier niveau, il faut que vous ayez investi au moins 2000 $. 2000 $, c'est donc, je vous rappelle, entre vous personnellement. Donc, si vous avez par exemple déjà investi personnellement 1000 $, eh bien, ça compte dans les 2000. Et il ne resterait plus que 1000 $ à atteindre au premier niveau. Maintenant, toutes les personnes qui ont, elles, investi 50, 25, 30, je ne sais pas, 100, etc., tous les gens sur le premier niveau qui ont investi, eh bien, ont également la possibilité de compter dans ces 2000 $. Toute personne que vous avez parrainée directement, personnellement, compte dans les 2000 $ qui sont donc au bas de la page. Je rappelle donc, en tant que master, il faut avoir investi 500 $ personnellement, avoir 3 filleuls à 200 $ et avoir au moins 2000 $ entre vous et le premier niveau. Et là, vous allez gagner 15% au premier niveau, 7% au deuxième, 5% au troisième, 3% au quatrième niveau, 2% au cinquième niveau, au sixième niveau, il y a une petite erreur, c'est 1%, et au niveau 7, vous allez gagner 0,5%. Donc, voilà la grille de rémunération d'un master. Passons au statut d'expert. Le volume des investissements pour un expert doit être d'au moins 1 500 $ personnels. Là, c'est déjà un cran un peu plus haut. Et pour atteindre le statut d'expert, il faut déjà travailler un petit peu plus et avoir 3 masters. Donc, vous avez vu tout à l'heure que pour être master, il fallait avoir investi au moins 500 $. Et là, vous devez en avoir 3 des personnes qui ont atteint ce statut, mais aussi avoir au premier niveau un investissement de 5 000 $. Les 5 000 $, si vous réfléchissez un petit peu et que vous regardez ce que je vous montre, eh bien, vous avez 1 500 $ personnels et vous avez 3 fois minimum 500 $, ce qui représente déjà 3 000 $ en tout. D'accord ? 1 500 plus 3 fois 500, ça fait encore 1 500. 1 500 et 1 500, ça fait 3 000. Il ne vous manque donc plus que 2 000 $ à faire récolter par rapport à d'autres filleuls qui sont au premier niveau dans votre structure. C'est toujours le premier niveau qui compte. Et là, en tant qu'expert, eh bien, vous gagnez 15% au premier niveau, 7% au deuxième, 5% au troisième, 4% au quatrième, 3% au troisième, 1% au sixième niveau et 0,5% que vous gagnez à ce moment-là du septième au neuvième niveau. Vous voyez donc que ça devient très intéressant parce que là, on atteint déjà en tant qu'expert 9 niveaux de rémunération, ce qui n'est pas rien. Même si les pourcentages sont plus faibles, eh bien, ce n'est pas grave, c'est aussi la quantité de gens qui vont se trouver à ce niveau-là qui vont permettre d'avoir des gains. Passons au statut extrême, qui est celui de professionnel, et le volume des investissements personnels est d'au moins 5 000 $. Au niveau 1, au moins 3 partenaires auront le statut d'expert. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Bon. Montant des investissements au premier niveau, ainsi que vous-même, ça doit être de l'ordre de 10 000 $. Par contre, ça, ce n'est pas très difficile à atteindre, les 10 000 $-là. Pourquoi ? Parce que si vous avez 3 experts, ils ont au moins déjà investi minimum 1 500 $. Donc, 1 500 $ fois 3, ça fait 4 500. Plus vous-même à 5 000 $, vous êtes déjà à 9 500. Il ne manque plus que 500. Et ça, très sincèrement, souvent, c'est déjà fait avec le nombre de personnes que vous avez déjà, parce que quand vous atteignez le stade plus de professionnel, c'est que vous avez déjà beaucoup de gens dans votre structure. Là, du coup, vous gagnez un petit peu plus d'argent. Vous le voyez que les niveaux vont donc assez loin, et vous pouvez aussi voir qu'au premier niveau, vous avez non plus 15%, mais 16%. Et là, ça devient assez intéressant. Voilà donc pour les différents statuts qui sont donc proposés dans sur la courbe, et pour lesquels on vous propose d'évoluer pour pouvoir gagner toujours plus. Spécificité du programme de partenariat chez Solarpro, c'est qu'il n'y a aucune limite de quantité d'inscription des clients dans la première ligne et dans la structure. Vous pouvez en mettre autant en largeur qu'en profondeur. Il n'y a pas non plus de binaire chez nous.
Ça n'existe pas et c'est tant mieux. Aucun risque de dépassement de la structure. Vous pouvez y aller tranquillement. Vous pouvez avoir, comme par exemple Alexandre Mandoula qui travaille en Russie, avoir que 12 000 personnes en largeur et il a que 80 000 personnes dans sa structure. Oui, c'est énorme, c'est important, mais je crois que quand on travaille et qu'on veut avancer, c'est ce qu'on peut atteindre, en tout cas, avec le programme de partenariat. Avoir autant de gens en dessous de soi, ça vous permet quand même d'avoir des revenus assez confortables grâce au partenariat. Et on le souhaite à tout le monde d'arriver à ce niveau-là. Les étapes pour participer à ce programme de partenariat, pour devenir partenaire donc de Solar Group, sont simples. Premièrement, il faut inscrire la personne. Il faut que la personne soit inscrite dans le back-office et qu'elle puisse avoir accès. Parce que des fois, les gens n'ont pas validé entièrement leur compte et n'ont donc pas accès. Une fois que vous êtes dans le compte, il faut ouvrir la rubrique pour les partenaires. C'est une rubrique qui est destinée justement à tout ce qui est partenariat. C'est dans le menu contextuel, vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous allez voir la rubrique pour les partenaires. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir lire et signer le contrat de partenariat. C'est une petite case à cocher et simplement un bouton bleu à cliquer pour permettre de signer ce contrat de partenariat. Dans le back-office, il y a des outils de partenaires et il y a notamment des choses très intéressantes. Il y a du matériel de marketing, il y a un back-office qui est automatisé, qui est donc actuellement dans le cloud. Donc, ce back-office est très développé et les informaticiens de chez Solar Group ont fait tout nécessaire pour qu'il soit convivial, accessible et qu'il soit pas trop difficile à comprendre, bien qu'il y ait quand même pas mal de rubriques. Et justement, on va les passer en revue pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Parce que si on fait du partenariat et qu'on ne sait pas utiliser son back-office, c'est un peu bête. C'est quand même un outil de travail qui vous permet d'avancer et de savoir comment l'utiliser pour pouvoir faire justement beaucoup de partenariats et avoir beaucoup de gens autour de soi. Le lien de partenariat avec des métriques, c'est également ce qui se trouve dans votre back-office. Vous avez des formations gratuites également. Vous avez un service d'assistance informationnelle et technique. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en bas de l'écran, vous avez une bulle bleue sur laquelle vous pouvez cliquer à droite et que cela donne accès à des gens qui sont capables de vous répondre en français et de répondre à vos interrogations, vos préoccupations ou d'éventuels problèmes techniques qui sont liés au chargement des dollars ou d'autres problèmes techniques dans votre back-office. Ces gens sont là pour vous répondre, mais de temps en temps, comme ils sont en Russie et que la Russie à 2 voire 3 heures d'avance sur nos pays, eh bien, à minuit, ils dorment. C'est un peu logique. Donc, parfois, on dit à 1 heure du matin, je ne vois pas la bulle bleue. C'est normal, les Russes sont aussi comme nous, ce sont des humains, et ils ont besoin de dormir aussi. Ils ne peuvent pas travailler constamment 24 heures sur 24 pour répondre à vos préoccupations durant vos nuits blanches. Ce service d'assistance n'est pas le service technique, je voudrais le préciser. Le service technique est un autre, notre secteur qui est interrogé par le service d'assistance. Les assistantes vont donc ouvrir ce qu'on appelle des tickets, c'est-à-dire des demandes qu'ils vont envoyer au service technique et ensuite le service technique va les traiter. Il faut savoir que ça met entre 4 et 5 jours ouvrables pour être traité. Souvent, c'est beaucoup plus rapide que ça. Le service est assez efficace, mais on vous donne quand même un délai assez long pour que vous ne pensiez pas que c'est à la minute et que ce soit même à la seconde près et que vous pensez qu'on suffit de claquer dans les doigts et qu'à ce moment-là, vous avez tout de suite réponse à votre interrogation ou votre problème. Le système de statistiques et d'analyse des performances est également dans le back-office. Et on en a également besoin pour pouvoir évoluer. Voilà donc également donc des outils de travail qui sont dans votre compte. Il faut savoir que le back-office est traduit en 21 langues. 21 langues qui sont là et qui vous permettent de travailler à travers toute la planète. N'hésitez pas à prendre le chemin des pays anglophones ou d'autres pays si vous pratiquez certaines langues, ou même si vous ne les pratiquez pas, vous avez des textes,
présentations, plein de choses qui existent. Vous voyez que toutes ces langues sont là. Si vous connaissez des gens en Italie ou en Pologne ou au Vietnam ou même en Inde où les gens sont très férus et très, très intéressés par le business, eh bien, allez-y, aussi en espagnol ou en anglais, tout simplement. Vous pouvez présenter ce business à toutes sortes de personnes à travers la planète. Profitez-en, cela peut vous servir. Je voudrais rentrer à présent dans le back-office et vous montrer où sont situées les différentes rubriques. Sachez que dans la rubrique pour les partenaires, vous avez ce qu'on appelle la première. Vous avez donc un premier menu, hein, j'explique. Vous avez un menu en haut à droite qui vous permet de visualiser les différentes rubriques qui existent sur le menu principal. Et dans ce menu principal, vous avez un endroit, c'est marqué pour les partenaires. Et vous cliquez dessus pour les partenaires et vous allez voir dans l'autre menu, ce qu'on appelle le menu horizontal, donc dans l'autre sens, vous allez avoir le plan marketing en première position. C'est-à-dire que si ce que je vous ai montré tout à l'heure comme plan marketing, vous ne l'avez pas suivi ou ne savez pas comment faire parce que vous avez oublié d'enregistrer ou que vous n'avez pas tout retenu, bien, ce n'est pas trop un problème. Je vous invite tout simplement à aller visualiser cela donc dans votre back office en cliquant sur pour les partenaires et d'aller au plan marketing. Donc, pour les partenaires dans un menu et dans l'autre menu horizontal, vous cliquez sur plan de marketing. Et là, vous allez retrouver tout ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, tel que vous le voyez à l'écran. Sachez également que pour connaître la possibilité de monter en statut, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, vous avez également les explications qui nous sont données ici en toutes lettres. Savoir que si on veut devenir spécialiste, il faut investir 250 $ personnellement, avoir deux investisseurs à 100 $ pour atteindre 450 ensemble. Vous voyez que tout est détaillé et que vous pouvez donc revoir et revoir encore ces informations qui ne sont pas top secrètes, mais qui sont effectivement dans votre back office et que vous pouvez consulter à tout moment. Très souvent, des gens nous posent des questions à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas le plan de marketing? Est-ce que vous n'avez pas les packs d'investissement? Est-ce que vous n'avez pas un PDF? Est-ce que vous n'avez pas ceci? Est-ce que vous n'avez pas cela? Il faut savoir que tout cela se trouve réellement dans votre compte Solar Group. Le problème, c'est que les gens ne vont pas regarder. Ils ne vont pas lire, ils ne vont pas cliquer. En fait, ils ne font rien. Ils font un peu comme les bandes dessinées et les petits-enfants. Et regarde que les images et surtout pas ce qu'il y a écrit. Ben oui, c'est comme ça, on le sait, il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire du business en ne regardant que les images. Ça ne marche pas, les amis. Il faut se plonger un petit peu dedans, il faut lire, il faut comprendre. Et pour cela, il faut aller farfouiller un peu dans son back-office et aller chercher les différents éléments là où ils sont. D'ailleurs, je suis là ce soir aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. Je suis là pour vous guider et vous indiquer où ça se trouve. Donc, le plan marketing est donc dans la rubrique pour les partenaires. Pour les partenaires, plan de marketing, et vous avez ici le statut des partenaires après avoir vu la grille de rémunération. Juste en dessous, hein, suffit de descendre donc sur la page et vous allez trouver ce que vous voyez ici à l'écran. Sachez que en tant que statut, donc c'est-à-dire partenaire, spécialiste, master, expert et professionnel, on vous délivre un certificat. Un certificat qui vous montre que vous êtes à ce statut et que vous pouvez même l'imprimer et l'encadrer. D'ailleurs, je le conseille souvent aux personnes qui viennent chez moi dans les salons pour les présentations. Eh bien, je leur dis, ben, tiens, prenez donc ce document, encadrez-le, affichez-le au mur. Et lorsque vous aurez des amis qui viendront chez vous, bien qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent chez les uns et les autres à cause du Covid, mais vous pouvez leur montrer les différents petits tableaux, donc spécialistes, master, experts et professionnels. Et les gens vous poseront naturellement des questions de savoir si vous avez passé un diplôme ou ce que c'est que ces certificats sur la route qui trônent au mur. Et vous allez pouvoir leur donner des explications. Et leur montrer de quoi ils en retournent. Et à ce moment-là aussi, les parrainer, bien évidemment, c'est le but de tout ce petit programme que je vous conseille là. Sachez également que votre contrat de partenariat, une fois que vous l'avez signé, vous pouvez le retrouver également dans le back-office. Là aussi, il faut aller dans la rubrique, cette fois-ci dans le menu principal,
vous allez à documents. Donc là aussi, tout à l'heure, vous avez vu, c'est dans documents, le petit certificat que je vous avais montré, je vous le remontre encore une fois. Ça, c'est dans documents, et ça aussi, c'est dans documents, contrat de partenaire. Et le contrat de partenariat, vous pouvez le lire et le relire, il est en anglais et en français, et vous permet, en anglais et en russe, et vous pouvez également utiliser des outils tels que Google pour les translater, donc les traduire pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne dans le contrat de partenariat, je précise. Parce qu'il existe un autre contrat qui s'appelle contrat d'investissement, et nous fournirons à certaines personnes qui ont quelques questions à ce sujet, des traductions en bonne et due forme en français dans les prochains temps. On vous en reparlera ça et là sur les différents groupes WhatsApp et forums et donc où nous publions régulièrement des informations officielles. Nous retournons dans le lien de partenariat qui se situe dans pour les partenaires. Donc là, on quitte de nouveau la rubrique documents qui se trouvait donc dans le menu et on revient dans le menu à pour les partenaires. Là, vous avez la liste des liens de parrainage. Souvent, on nous pose la question de savoir lequel il faut utiliser. Eh bien, je vous invite à prendre une feuille de papier, un peu genre feuille Word ou feuille, une simple feuille qui vous permet de copier-coller dessus, ou copier à droite, vous voyez, vous avez le mot copier à chaque ligne, et à ce moment-là, vous faites le nécessaire pour coller ces liens sur une feuille. Pourquoi ? Parce qu'on vous invite à couper, à fermer, à vous déconnecter de votre compte. Parce que si vous cliquez sur un des liens, en fait, vous retombez directement chez vous. C'est un peu comme si vous défonciez les portes ouvertes chez vous. Donc, je vous invite vraiment cordialement à copier, coller à l'extérieur du site tous ces liens et ensuite de les tester individuellement. Mais surtout, n'oubliez pas de vous déconnecter de votre compte. Je le répète bien haut et fort. Déconnectez-vous d'abord et ensuite testez les liens. Parce que, je vous l'ai dit, si vous cliquez sur un des liens dans le back-office ici en voulant le tester avec votre souris, eh bien, vous allez retomber dans votre back-office. Vous allez retomber chez vous, en fait. C'est un peu l'invitation aux gens à venir vous se raccorder à vous dans votre compte, par rapport à votre compte. Et si vous cliquez vous-même, en fait, vous retournez chez vous. Donc, ça ne sert à rien de cliquer quand le back-office est ouvert. Il faut donc se déconnecter. Comment fait-on pour se déconnecter? Eh bien, tout en bas du menu, vous avez le mot « quitter ». Et vous pouvez cliquer dessus, ça vous permet de vous déconnecter. Dans la rubrique en question que nous voyons actuellement, qui est celle de lien de partenariat, vous voyez, c'est marqué en gris en haut, vous avez une possibilité de faire une génération de liens de parrainage. C'est une formule qui existe et qui vous permet de différencier les liens de parrainage que vous avez déjà et surtout de comptabiliser s'ils sont rentables ou non. Par exemple, vous voulez créer un lien de parrainage pour Facebook, eh bien, vous allez pouvoir le créer vous-même pour qu'il soit adéquat au réseau social que vous voulez utiliser. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser un lien de parrainage, par exemple, pour WhatsApp, un lien de parrainage pour Facebook, un lien de parrainage pour Instagram. Et ainsi de suite. Et donc, vous les créez, ces liens, et ils vous indiqueront ensuite le nombre de passages, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont effectivement cliqué sur ce lien, le nombre d'inscriptions qui en résultent. Vous aurez également le montant des investissements, nombre de partenaires, c'est-à-dire ceux qui auront signé le contrat de partenariat, en dehors du fait d'être client. Et vous aurez également les versements, c'est-à-dire ce que vous auront rapporté ces gens. Ces statistiques figurent dans le back-office, à l'endroit où je vous montre, donc dans lien de partenariat, et le second onglet, eh bien, c'est celui de génération du lien. Je vous remonte la page précédente pour que vous puissiez voir où ça se trouve. Vous voyez à gauche, en haut, il y a marqué liste des liens, et puis au milieu, il y a marqué génération du lien. Donc, vous cliquez sur la partie blanche, là où il y a marqué génération du lien, et c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver cette rubrique qui vous permet de créer et de générer les liens de parrainage spécifiques que vous allez utiliser ça et là en les répertoriant et en vous rappelant exactement de quoi il s'agit comme temps, style de plan ou de lien de parrainage. Nous avons également la troisième rubrique dans le même
endroits, donc c'est toujours les liens de partenariat, vous avez le système d'analyse, le système analytique. Alors, c'est un petit peu plus poussé parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de faire un petit peu plus de marketing de façon professionnelle. Et dans ce cadre, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le pixel Facebook. Le pixel Facebook, vous pouvez le placer, par exemple, sur un site internet que vous gérez et qui donne des explications sur le business. Et à ce moment-là, toute personne qui sera passée par là, eh bien, aura possibilité d'utiliser, donc de revoir des publicités, ce qu'on appelle retargeting. En fait, quand vous allez faire une publicité sur Facebook, vous pouvez cocher la case en disant « Je veux que les gens qui sont passés sur ma page voient cette publicité. » Mais c'est ce qu'on appelle du retargeting. Google Analytics vous donne également un petit code à insérer dans votre compte, en tout cas dans votre page Facebook, sur une page que vous allez créer sur Internet. Et si vous mettez le Google Analytics code, cela va vous indiquer d'où proviennent les gens. Et la majorité des gens viennent par exemple de Facebook, la majorité des gens viennent de WhatsApp, la majorité des gens viennent de Instagram. Ils viennent de chez Google, ils ont tapé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont tapé? Vous voyez, tout ça, c'est des analyses qui vous sont données. Et puis, Yonex Metrica, ce n'est pas Google, c'est par contre ce qui est russe. Et c'est surtout donc destiné aux gens qui sont à l'Est et qui utilisent plutôt Yandex que Google. La rubrique « s'inscrire » est mal formulée. Ça voudrait dire « inscrire quelqu'un ». C'est un formulaire d'inscription qui permet d'inscrire une personne, mais actuellement, on ne le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre formulaire qui permet, lui, d'offrir 100 parts cadeaux. Donc, on préfère orienter les gens sur 100 parts cadeaux plutôt que la rubrique « investir ». D'ailleurs, je vous la montre tout de suite, ce sera plus simple. Voici sur la page d'accueil, vous voyez bien en haut sur mon slide, c'est marqué « page d'accueil » en bleu, et bien à gauche, et vous cliquez sur la page d'accueil sur le mot « cadeau ». Et vous voyez que ce cadeau est dessiné, il y a un cadeau jaune avec un ruban rouge. Vous pouvez offrir 100 parts à 50 personnes par mois. Ce n'est pas négligeable parce que ce levier qui vous permet de parrainer des gens est très intéressant. Je bois un petit coup parce qu'il fait chaud au Cameroun. Et ces cadeaux de 100 parts qui sont offerts, sont bien sûr distribués par la compagnie. Ce ne sont pas 100 parts qu'on va vous déduire chez vous, je précise. Vous pouvez offrir 100 parts à 50 personnes par mois. Sachez tout de même que, à l'occasion des récents changements du back-office, il y a environ 2-3 mois, la direction a opté pour un changement radical de vous offrir également 100 parts personnellement à vous qui parrainez et qui envoyez ces cadeaux. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez parrainer et offrir 50 fois 100 parts, mais vous pouvez aussi gagner 100 parts à chaque fois. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, vous allez pouvoir remplir la grille ici. Une fois que vous avez cliqué sur le cadeau, vous voyez qu'il est marqué prénom, nom, adresse email et numéro de téléphone. N'oubliez pas de mettre l'indicatif du pays. D'ailleurs, le drapeau en question d'un pays s'affichera. En dessous, là, c'est marqué à côté parce que ça a été positionné de cette façon-là. Mais en dessous de là où vous avez mis cela, vous avez une liste des gens que vous avez invités. Parfois, les gens disent ne pas avoir reçu l'email en question parce qu'il s'agit de recevoir un email pour les gens à qui vous avez offert les cadeaux. Vous pouvez renvoyer cet email en cliquant sur « Répéter l'envoi de la lettre » qui se trouve à droite. En bleu ciel. Vous voyez que ça apparaît au bout de la ligne de la personne que vous avez inscrite. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour que la personne reçoive à nouveau l'email en question. Cet email, il faut savoir qu'il arrive dans la rubrique promotion de Gmail. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez cliquer et taper dans la recherche de votre Gmail. Vous pouvez taper Solar Group ou cadeau Solar Group. Et logiquement, tous les Solar Group, tous les mails de Solar Group vont sortir immédiatement pour que vous puissiez les voir. Je voudrais revenir sur la structure de clients qui se trouve donc maintenant que vous avez vu le cadeau, hein, c'est simple,
Je rappelle que le cadeau ici se trouve là, sur la page d'accueil. Je voudrais quand même encore une fois préciser quelque chose, c'est que vous pouvez offrir à 50 personnes par mois 100 parts gratuites. Et que vous-même, personnellement, vous obtenez 100 parts gratuites également. Pour chaque personne qui aura réalisé sa vérification du compte. Ce que vous appelez donc également le KYC. Si la personne que vous avez parrainée va faire sa vérification sur 30 jours, vous conservez, vous, le parrain, et le filleul, les 100 parts. Si la personne ne fait pas sa vérification et que vous n'avez pas incité à le faire pour expliquer qu'il y en a vraiment besoin pour qu'il gagne ses 100 parts, eh bien les 100 parts disparaîtront pour votre filleul, mais disparaîtront également pour vous-même. Donc, attention. Je voudrais aussi préciser que si vous offrez 50 parts, 100 parts à 50 personnes, si vous offrez 100 parts à 50 personnes par mois, cela représente pour vous-même potentiellement 5000 parts gratuites pour vous, à condition que les gens fassent tous la vérification de leur compte. Mais ça, si vous êtes un peu persuasif, vous allez y arriver. Et ça vous permet de gagner beaucoup de parts au courant du mois et surtout de beaucoup en parler et de beaucoup parrainer de gens. Je reviens sur la suite. La structure de clients se trouve également dans la rubrique pour les partenaires. Cette fois-ci, nous allons apprendre un petit peu comment ça se situe. Alors, comment ça se situe réellement? Eh bien, c'est simple, vous allez avoir dans cette rubrique le nom, le prénom, l'adresse email et le téléphone de la personne que vous avez parrainé personnellement. Ces gens-là sont dans votre premier niveau et vous allez voir quel est l'investissement qu'ils ont fait à leur tour. Vous voyez également le nombre de clients qu'ils ont, c'est-à-dire aussi le nombre de gens qui ont peut-être signé le contrat de partenariat. Et vous avez également l'achat dans la structure, vous avez également la date à laquelle la personne est rentrée. Ça vous donne des informations intéressantes parce que il y a des gens qui ont investi des gros packs, notamment le point vert et le point noir qui figure ici. Ces points, si vous passez votre souris dessus, vont vous indiquer combien la personne a dépensé et en tout cas quel pack la personne a pris et la mensualité qui correspond. Vous avez également des petits ronds avec des i à l'intérieur. Ces petits ronds indiquent que la personne a du retard de paiement. Ça aussi, c'est une information importante parce que vous allez pouvoir décrocher votre téléphone ou votre WhatsApp et demander à la personne pour quelle raison elle n'a pas encore payé sa mensualité afin de ne pas avoir de problème derrière et que son pack soit annulé. Parfois, les gens posent la question, qu'est-ce qui se passe si je venais à ne pas payer? Eh bien, si vous venez à ne pas payer, votre pack sera annulé et d'ici quelques temps, la direction nous a signalé que vous serez obligé de racheter un nouveau pack si vous voulez refaire quelque chose. Les parts que vous aurez acquises ne seront pas perdues, votre argent n'est jamais perdu, mais vous aurez nettement moins de parts que ce que vous avez été, ce qui a été annoncé et de ce qui était prévu que l'on vous verse. Sachez que c'est à la dixième mensualité, enfin pardon, à la dernière mensualité, parce que toutes les mensualités ne sont pas sur 10, à la dernière mensualité de votre pack, on vous propose de recevoir le reste des parts dans lesquelles vous avez donc investi. Donc, c'est important de le préciser qu'à la fin d'un pack, on obtient également ce qu'on appelle un certificat et ce certificat est généré dans la rubrique documents. Dans la rubrique documents. Ici, vous voyez également le nombre de clients. Vous voyez 1, 2, 3, troisième colonne, vous voyez le nombre de clients. C'est-à-dire que c'est le nombre de personnes que ces personnes ont parrainées dans sa structure, pas seulement au premier niveau, mais on voit que ce sont beaucoup de gens qui ont été parrainés dans donc la structure en question. On voit également l'achat dans la structure, donc la quantité de dollars récoltés grâce à votre structure, et ça peut des fois atteindre des millions, parce qu'il y a des gens qui travaillent fort et qui ont parrainé des gens qui ont investi beaucoup d'argent. Et ainsi, vous pouvez être un des plus gros contributeurs au sujet. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me les poser. Je vois qu'il y a quelques petites choses qui clignotent à mon écran. Vous pouvez poser des questions, je répondrai bien sûr à la fin.
je terminerai mon exposé et je répondrai avec plaisir à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès à présent dans le chat, s'il vous plaît, pas en ouvrant quoi que ce soit comme micro, bien sûr. Nous avons sur cette structure la possibilité de voir qu'à gauche, vous avez des petits onglets complètement à gauche de l'écran. Vous avez des petits carrés avec un petit V dedans. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller voir les gens qui sont en dessous de la personne que vous avez parrainée. Donc, vous pouvez les visualiser. Par contre, vous n'aurez pas leurs coordonnées, vous aurez leur nom et prénom, mais vous n'aurez pas le reste. Donc, c'est important aussi de signaler. Une rubrique très intéressante qui se trouve également dans, vous avez vu en haut, il y a marqué structure, donc je vous ai montré structure. Là, on fait géographie et ensuite, on va faire statistique. Géographie, c'est intéressant de voir que, par exemple, cette personne a beaucoup de gens en Russie. Ensuite, elle a beaucoup de gens forcément en Indonésie, en Ukraine, Bulgarie, Biélorussie, Kazakhstan et Pologne. C'est quelqu'un qui travaille à l'Est et qui parraine beaucoup dans ce secteur. Personnellement, j'ai beaucoup plus de gens en Afrique parce que je vous rappellerai que je suis aujourd'hui encore en direct depuis le Cameroun. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui sont notamment au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Avant, je disais en Côte d'Ivoire et au Bénin, mais il se trouve que le Bénin a beaucoup bougé dans les derniers temps et que justement, ben, le Bénin vient maintenant, dans ma structure en tout cas, à dépasser le nombre de membres donc dans Solar Group et à dépasser le nombre de membres de la Côte d'Ivoire, pour ma part en tout cas. Mais les Ivoiriens vont bientôt se réveiller à nouveau. Ils ont eu beaucoup de déboires dans leur pays, dû à différentes causes, y compris le Covid, qui font que, eh bien, ils se sont un petit peu endormis, mais je pense que mes amis ivoiriens qui sont même dans la salle vont bientôt se réveiller. D'ailleurs, ils ont une grande présentation samedi 30, donc janvier. Si vous regardez le replay, ben, ça sera peut-être déjà passé. Mais donc, les Ivoiriens, déplacez-vous en masse à cette grande présentation qui redynamisera le business en Côte d'Ivoire. Là, vous avez également les statuts, donc à droite, sur la partie géographique, où vous voyez le nombre de clients, le nombre de partenaires, de masters, de spécialistes, d'experts. Et ça représente souvent beaucoup de gens qui sont gradés, qui ont des statuts élevés. Et c'est donc assez important de voir que vous avez tous ces gens-là dans votre structure. Toujours dans la structure de clients, mais cette fois-ci, on va dans les statistiques. Vous avez vu que c'est au milieu. Je reviens sur un petit peu en arrière pour que vous puissiez voir les différentes rubriques. Je reviens en arrière. Hein, voilà. Donc, je vous montre qu'au début, on était ici dans structure, donc qui se trouve à gauche, en haut. Ensuite, nous sommes sur géographie. Et maintenant, nous allons au milieu sur statistique. Et là, vous avez le nombre d'inscriptions dans la structure, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se trouvent en dessous de vous. Là, dans cet exemple, la personne a 37 479 personnes. Vous voyez que c'est quand même assez inconséquent comme nombre de personnes. Le nombre d'inscriptions dans la première ligne, ça aussi, ça paraît peut-être un chiffre intéressant, c'est-à-dire ce sont vos filleuls directs, 2644 personnes. Et puis, nous avons le montant d'achat réel, c'est-à-dire tout ce que la personne a, grâce à elle, a été récolté pour le projet. On voit que la personne a fait une récolte de l'ordre de 5 920 000 dollars, presque 6 millions. Et si le montant d'achat, compte tenu du paiement, du tempérament attendu, d'après le coût du paquet, eh bien, on verra que cette personne aura récolté en tout 8 245 000 dollars qui vont donc être utilisés pour la réalisation du projet du moteur du Lune. Le montant d'achat, compte tenu du paiement des tempéraments attendus, est donc un chiffre intéressant parce qu'il permet de voir sa contribution réelle au projet. Le total du bonus de partenariat reçu, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous avez déjà perçu, et on voit que ce monsieur a déjà perçu 187 000 dollars, donc dans l'espace de tout le temps où il est là depuis le début dans Solar. Avez-vous déjà gagné cet argent? Est-ce que vous voyez que c'est possible? Est-ce que vous voyez que vous avez possibilité effectivement d'atteindre des gains intéressants?
Le montant des bonus de partenariat compte tenu du paiement des tempéraments attendus, c'est-à-dire c'est l'argent que vous allez encore percevoir dans votre compte compte tenu des gens qui sont en train de payer leur pack. Et ce montant est clé. Et clé, ça veut dire qu'il est important pour vous de l'utiliser et de rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose, un chiffre très intéressant pour pouvoir évoluer positivement dans votre business et d'achat de pack, parce que vous pouvez vous baser sur ce chiffre pour savoir combien vous pouvez retirer et aussi combien vous pouvez investir. C'est un bon baromètre de savoir et utiliser ce dernier chiffre en bas du tableau qui vous permet de savoir si vous avez la possibilité d'acheter encore un pack qui ne vous coûtera absolument rien compte tenu du fait que vous pouvez utiliser l'argent qui se trouve dans cette prévision pour pouvoir acheter des packs et des nouveaux packs. Dans la même rubrique, vous avez le compte de partenariat toujours, vous avez le bonus de partenariat. C'est une autre rubrique qui existe et je vous invite à la regarder parce que tous les jours du mois, on va vous indiquer quels sont les anciens clients qui ont payé et on va vous indiquer jour par jour si vous avez fait des nouveaux clients, s'il y a des nouveaux packs qui ont été vendus dans votre structure. Et on voit ici que le nombre de packs anciens qui sont payés par jour sont plus nombreux que les nouveaux packs. Il y a des gens qui prennent des nouveaux packs, mais parfois ça peut être l'inverse. Les gens peuvent faire un jour beaucoup, beaucoup de packs et vous aurez peu d'anciennes personnes qui auront versé de l'argent pour leur pack déjà en cours. Mais ce tableau est très intéressant. Vous pouvez donc faire également des statistiques et voir comment ça se passe à votre niveau. Il y a possibilité sur ce groupe de retirer les fonds. Ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. On pense que c'est un circuit fermé et qu'on ne peut acheter que des packs. Je le dis et je le répète, vous pouvez retirer l'argent dans votre propre poche. Là, il n'y a que les gens qui ont réellement retiré les dollars qui vont comprendre de quoi je parle. Souvent, c'est un peu utopique, on en parle aux gens, mais ils n'y croient pas. C'est que vous n'avez jamais essayé de retirer de l'argent. Oui, il y a un minimum, il me semble que c'est 50 dollars pour retirer. Et vous devez avoir un compte qui soit un processeur de paiement, genre Bitcoin ou Perfect Money ou d'autres processeurs que vous utilisez comme Payeer, par exemple. Si vous prenez en considération que vous pouvez retirer de l'argent, cela veut dire que vous pouvez vivre avec cet argent. Vous pouvez acheter des packs de parts en utilisant les dollars que vous avez gagnés dans votre compte bonus, mais vous pouvez aussi les retirer. Et lorsque vous faites une demande de retrait de fonds, eh bien, elle est traitée le lendemain avant 14 heures. Donc, ce qui fait que si vous faites une demande avant le soir à 21 heures ou 22 heures, selon les pays où vous êtes, qui correspond à minuit à Moscou, eh bien, vous serez payé le lendemain dans votre processeur de paiement que vous aurez indiqué auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord indiquer sur quel processeur de paiement vous voulez qu'on vous verse l'argent. Il y a des gens qui demandent des fois si on peut avoir son argent sur son compte en banque, ben non. Surtout qu'au départ, la plupart des gens, quand on leur dit qu'ils peuvent faire des virements, ben ils disent non, non, je n'ai pas de compte en banque. Et quand on veut retirer, ils demandent si on peut retirer ce compte en banque. C'est un peu paradoxal, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des gens qui posent des questions. Si on retire sur son compte en banque, non. Sauf si vous avez un système où vous récupérez des bitcoins et ensuite de votre compte bitcoin, vous pouvez vous les envoyer sur votre compte en banque. Moi, c'est un petit peu ce que je vous conseille et c'est ce que je fais personnellement. Donc, je retire mon argent sur un compte Bitcoin et de ce compte Bitcoin, ben, je le verse ailleurs, notamment sur mon compte en banque et pour pouvoir payer mes impôts dans mon pays. Ah, est-ce qu'on doit payer des impôts si on gagne de l'argent? Oui. En général, la plupart des pays, j'en connais très peu qui n'ont pas d'impôts à payer. Souvent, on nous pose cette question. Oui. Mais libre à vous de faire le nécessaire. Ceci dit, si c'est obligatoire dans votre pays, il faut le faire. Moi, je suis français, je cotise mes cotisations en France et croyez-moi que parfois, ben, même si ça ne nous plaît pas, et que, ben, il faut le payer parce que ça fait partie des impôts que nous devons payer et il y a des gens qui s'en fichent. Ben, faites ce que vous voulez. C'est votre business, c'est pas le mien. Nous, on sait que argent qui est gagné doit normalement être déclaré. Voilà. Donc, maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Donc, on peut retirer de l'argent. Je voudrais préciser que sur mon slide, là, il est marqué Visa Mastercard. Cela ne fonctionne que pour la Russie. Nous n'avons pas de carte qui fonctionne et qui permette de retirer. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en Russie.
mais ça n'existe pas dans d'autres pays. On va peut-être trouver dans les prochains temps quelque chose qui permettrait de faire ça, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, surtout au niveau international. Ce n'est pas tellement évident. Le compte de partenariat et les transactions. Je voudrais vous montrer dans le compte de partenariat, il y a une rubrique qui s'appelle transactions. Donc, c'est dans le menu horizontal. Là, vous pouvez retrouver les différentes transactions qui ont eu lieu. Par exemple, vous voyez ici, ce n'est pas 6 000, c'est 6 dollars, 2 dollars, 1 dollar, 0,5, 0,05, 0,1. Ce sont les montants que vous gagnez à chaque fois que quelqu'un paye dans votre structure. Enfin, nous avons des gens qui disent, voilà, mon filleul, il a payé un pack, je n'ai pas reçu l'argent. Bon, déjà, c'est très étonnant. Souvent, c'est payé dans les secondes, voire les minutes qui suivent, et c'est payé directement dans votre back-office. Donc, quand une personne paye chaque mois, et si, admettons, elle paye un pack sur 20 mois, 25 mois, voire 30 mois, ça veut dire que vous allez manger pendant 30 mois. Vous allez manger 15% ou un autre pourcentage, suivant l'endroit où se situe la personne dans la structure. Cet argent, vous le voyez dans transactions. Vous voyez ce que vous avez gagné. Et si vous mettez votre souris à droite sur le petit point d'interrogation, le rond bleu, là, eh bien, en fait, vous allez voir les coordonnées de la personne, le pack qu'elle a payé, son adresse email, et vous allez pouvoir savoir par le biais de quelle personne, il y aura également son nom, prénom, vous avez reçu donc cette commission qui se trouvera donc, je vous le rappelle, dans la rubrique transactions pour les partenaires. Toujours pour les partenaires, parce que c'est la rubrique qui représente justement tout l'ensemble des informations destinées au partenariat. Vous pouvez transférer des fonds entre membres. Cela ne coûte rien. C'est aussi très pratique parce que si vous ne savez pas comment charger votre compte, vous pouvez avoir votre parrain ou toute autre personne qui effectivement pourra venir transférer des fonds d'un compte à un autre. Quelqu'un dispose d'une carte bancaire, une carte Visa ou Mastercard et a plus de facilité pour charger l'argent, les dollars, sur le compte que vous-même. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez lui demander de charger le compte et de vous envoyer de l'argent sur votre compte via le système interne de transfert. Je précise que l'on peut virer de l'argent aussi bien du compte principal que du compte bonus. Cependant, la personne qui doit recevoir les fonds doit avoir signé le contrat d'investissement. Donc, le contrat d'investissement doit être signé, sinon vous ne pouvez pas transférer de fonds. Vous ne pouvez pas non plus transférer de fonds si vous n'avez pas fait la vérification de votre compte. Là aussi, la vérification du compte, un peu comme tout à l'heure pour l'histoire des 100 parts, si vous voulez avoir les 100 parts, eh bien, de valider, vous devez faire ce qu'on appelle la vérification du compte. Cette vérification consiste à remplir des cases où on va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse email, on va demander votre date de naissance, également votre pièce d'identité, le numéro, quand est-ce qu'elle a été délivrée, par qui. Et vous allez indiquer votre adresse où vous habitez et ensuite télécharger des documents comme par exemple une pièce d'identité recto verso, mais aussi un certificat de domicile ou ça s'appelle aussi des attestations de résidence ou d'autres choses que ça s'appelle justificatif de domicile en France. Et voilà la manière dont vous allez pouvoir faire la vérification de votre compte. Si vous voulez transférer des fonds, on vous demande d'abord d'indiquer l'adresse email de la personne. Bien sûr, il faut qu'elle soit inscrite et qu'elle ait signé le contrat d'investissement pour pouvoir transférer des fonds. Et on ne peut pas retirer les fonds du principal, c'est-à-dire que les fonds vont arriver sur le compte principal de la personne. Mais on ne peut pas les retirer du compte principal, on ne peut que payer avec. Bien sûr, ça serait trop facile d'utiliser le système pour envoyer de l'argent à vos parents et amis qui sont situés dans d'autres pays. Ça ne se fait pas, nous ne sommes pas là pour ça. Et je tenais à le préciser. Vous pouvez donc cliquer « J'accepte les conditions de virement » et vous cliquez et un petit écriteau va vous montrer en haut à droite avec un petit rond vert que le virement a bien été effectué. Maintenant que vous savez que vous pouvez transférer de l'argent, vous pouvez aussi transférer de l'argent sur le compte principal. Vous voyez, en haut à droite, il y a marqué « sur le compte principal ». C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'argent que vous avez gagné en bonus,
c'est-à-dire l'argent que vous avez gagné grâce au parrainage. Et cet argent que vous avez gagné grâce au parrainage, vous pouvez le transférer au principal pour payer votre mensualité. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Si vous n'aviez pas compris cela, eh bien, je vous invite très fortement à écouter et réécouter ce que je vous dis. Donc, le premier mois, vous allez sortir de l'argent pour payer un pack. Mais le deuxième mois, vous avez parrainé des gens, les gens ont acheté un pack et vous avez gagné des bonus de parrainage. Ces bonus de parrainage, vous allez pouvoir les utiliser pour payer votre deuxième mensualité, voire la troisième, la quatrième, la dixième, la centième, parce qu'on vous conseille, bien sûr, d'acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts dans le projet des moteurs du 1-9. Après le projet des moteurs du 1-9, la société Solar Group envisage de faire autre chose, c'est-à-dire qu'elle envisage de faire un autre business, un autre projet qui sera également situé dans l'écologie. Donc, toute la structure que vous aurez montée avec le partenariat, eh bien, ce restera valable et vous continuerez à gagner de l'argent. Nous allons passer à une autre rubrique que les gens ne voient pas beaucoup et qui est pourtant très intéressante dans le back-office. Ça s'appelle assistance technique sur le projet. Alors, donc, sur le projet, c'est à propos du projet. Assistance technique, ça se trouve vers le bas, dans votre menu, et personne n'y clique dessus parce qu'on pense que c'est peut-être le service technique ou le support. Alors que c'est une assistance technique qui vous donne des informations. Beaucoup de gens me contactent et me demandent, Gilles, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il faut écrire dans les réseaux sociaux? Nous ne savons pas quoi écrire, on ne connaît pas trop le projet. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Comment est-ce qu'on peut résumer le projet? Et bien, vous avez un texte tout fait qui s'appelle dans « À propos du projet, information générale sur le projet des moteurs du 1-9 ». Vous pouvez copier partiellement ou entièrement ce texte et y rajouter un lien de parrainage que je vous ai montré où il se trouve tout à l'heure. Et vous avez donc là toutes les explications nécessaires en tant que texte que vous pouvez placer sur les réseaux sociaux pour montrer et dire ce de quoi il en retourne à une personne ou même sur WhatsApp ou une personne qui vous pose des questions. Copier-coller le texte et elle pourra lire exactement en quelques lignes de quoi il s'agit. Nous avons également dans la rubrique questions-réponses des réponses qui sont données essentiellement en anglais. Ça n'a pas encore été complètement traduit en français, mais là aussi, vous pouvez utiliser un Google Traduction en ligne et ça vous indiquera tout ce que vous avez besoin de savoir. Là, il y a des questions, vous cliquez et vous aurez les réponses à votre droite. Également des guides vidéo. Un guide vidéo qui est actuellement en anglais, que vous pouvez sous-titrer en français sur YouTube, c'est pas compliqué, vous allez cliquer sur YouTube, sur la vidéo, et à ce moment-là, vous allez changer la langue du sous-titrage sur YouTube et vous allez pouvoir comprendre ce qui se dit. Les images là, par exemple, comment alimenter le compte d'investissement avec le Bitcoin, souvent les gens nous posent des questions par rapport à ça, comment on fait? Eh bien, on vous invite à le faire grâce à cette vidéo explicative. Voici une rubrique très intéressante et pour laquelle on nous pose 1000 questions tous les jours. Pourtant, elle est là sous vos yeux. Sur les réseaux sociaux, on nous demande très souvent, est-ce que vous avez le PDF? Est-ce que vous avez le PowerPoint? Est-ce que ce que vous êtes en train de nous faire voir là, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir? Oui, c'est tout simplement dans le back-office. Vous pouvez cliquer sur « Matériel de travail » et vous avez le kit d'orateur, vous avez la présentation du projet des moteurs du 1-9, c'est-à-dire les présentations complètes des séances que l'on fait en ligne ou en salle. Vous avez également tout cela dans toutes les langues, croate, portugais, Hongrie, espagnol, anglais, etc. Et tout ça, ça se trouve dans le back-office et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Télécharger ». Pourquoi poser des questions sur les forums alors que vous avez toutes ces rubriques qui sont là juste sous votre nez et il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger ». Vous avez également les protocoles d'essai des moteurs, parce qu'on parle de quelque chose de technique, et il y a des gens qui s'y connaissent et qui veulent voir les protocoles d'essai, veulent voir si c'est la réalité, veulent voir si tout ça, ça a été testé, si c'est exactement comme on a dit. Eh bien oui, vous pouvez montrer ces essais de l'université de Belgorod, ou les tests du résultat de l'université de Düsseldorf, ou encore d'autres universités qui ont été citées, notamment je crois qu'il y a également Bologne en Italie.
Toujours dans la rubrique matériel de travail, vous avez des matériels de promotion qui vous sont proposés et vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger pour télécharger les logos ou les visuels dont vous avez besoin. Alors vous avez différents visuels qui sont notamment le projet des moteurs de UNOF, mais vous avez également la possibilité de voir des objets donc, qui sont du côté de SolarGroup. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle événements, qui se trouve vers le haut du menu. Les événements, c'est les webinaires. Et là, à droite, en haut à droite, vous voyez sur le slide, juste en dessous de mon image, vous voyez qu'il y a des petits carrés. Si vous cliquez là-dessus, vous avez tout un calendrier qui s'affiche avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine. Et on vous indique les différents, avec les différents drapeaux, quand est-ce qu'a lieu le webinaire. Ce webinaire a été annoncé notamment dans la rubrique en question. Vous avez également une autre façon de visualiser qui se trouve à droite. C'est une image où figurent les photos et le drapeau du pays où c'est diffusé, dans la langue où c'est diffusé. Comme ça, ça vous permet de choisir votre webinaire auquel vous allez pouvoir participer. Sachez que moi, personnellement, je fais des webinaires régulièrement. Nous en avons maintenant 3, voire bientôt 4 par mois. Nous avons un invité. Nous avons ce type de webinaire tel que je le fais ce soir, qui sont des webinaires de formation sur le partenariat, en dehors du projet lui-même, qui sont présentés sous d'autres, durant d'autres jours du mois. Donc, on a 3 présentations et on a un invité par mois. D'ailleurs, mon prochain invité sera Andrei Lobov, qui est en Russie et qui est un monsieur qui développe beaucoup de choses grâce au moteur fabriqué par M. Dunop. C'est d'ailleurs sa société qui a commandé les premiers moteurs qui sont sortis de fabrication et qui ont été réalisés intégralement par M. Dunop. On essaiera peut-être de percer le mystère comment M. Lobov a utilisé ces moteurs. Il a aussi développé un traîneau, le traîneau Emelina, qui est un traîneau qui permet de transporter des gens dans un parc, et il en a fait une attraction. Et il gagne de l'argent avec cela. Toujours dans la rubrique événements, vous avez des réunions. C'est toujours événements, c'est la même rubrique, simplement en haut, vous pouvez cliquer sur les webinaires et à côté, vous avez les réunions, c'est-à-dire les rencontres. D'ailleurs, c'est marqué rencontres. Et dans ces rencontres, vous voyez les différentes villes avec les indications, toutes complètes avec numéro de téléphone, date, lieu, horaire, tout y est. Souvent, on nous pose des tas de questions, mais sachez que tout est là dans votre back-office et que vous pouvez juste cliquer dessus et regarder comment on accède à la présentation physique, comment on se rend à la réunion qui était programmée et comment effectivement on arrive à avoir des informations réelles sur le terrain. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans cette rubrique, elle est renouvelée chaque début de mois. Et pour le mois de février, par exemple, nous avons organisé dans les pays africains que je supervise un petit peu, parce que je suis partenaire national de 5 pays, donc la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Togo, et bientôt le Cameroun, je précise, c'est la raison pour laquelle je suis au Cameroun. Au mois de mars, nous ouvrirons le pays. Et donc, ces différents pays ont des manifestations régulières dans des salles où vous pourrez assister. C'est important de jeter un coup d'œil dans cette rubrique parce que vous allez pouvoir également y inviter des gens qui sont dans votre structure, mais qui ne sont pas forcément dans votre pays. Et que vous allez pouvoir les inviter en leur disant, tiens, voilà, regarde, il y a dans tel pays et telle ville, il y a une présentation. Vas-y, il y a des gens qui sont compétents, je t'inscris, je t'offre 100 parts, et tu vas à cette présentation, et tu vas rencontrer des gens qui vont te renseigner. Les gens qui font les présentations ont l'habitude aussi de voir arriver des gens qui ne sont pas forcément des gens de leur propre structure. Ils sont là pour aider tout le monde, et c'est en tout cas ce que moi je fais également lorsque je rencontre des gens qui ne sont pas forcément dans ma branche à moi. Maintenant, nous passons à la rubrique des nouvelles, des informations. Les moteurs de UNOF sont présentés sous différents aspects, les résultats de la semaine, Electro Day,
les différents véhicules qui ont été créés par M. Arestov et M. Lobov, par exemple, qui développent et qui vendent des véhicules avec des moteurs de chez Dudinov. Et tout cela est répertorié et montré aux gens qui sont actuellement des investisseurs dans le back-office sous la rubrique nouvelles ou informations. Ce sont les nouvelles du jour et vous trouverez cela. Vous les avez peut-être parfois en français et parfois aussi en russe. Je demanderai à l'ensemble des gens qui m'écoutent et qui me connaissent de n'utiliser que mes textes à moi parce que la traduction littérale russe dans les textes en français n'est pas toujours compréhensible par tout le monde. Il y a des fois des tout petits couacs dans les textes et il est préférable de reprendre mes textes à moi que je publie dans Telegram ou sur Facebook. D'ailleurs, à propos de Facebook, nous venons d'ouvrir une page récemment, il y a quelques jours, une page Facebook sur laquelle on diffuse d'ailleurs actuellement. Sur cette page Facebook, vous allez pouvoir suivre les webinaires tels que celui-là ce soir et recevoir les informations nécessaires concernant le développement du projet. Vous avez également une autre rubrique dans les actualités qui s'appelle les nouvelles de SolarGroup. Là aussi, SolarGroup donne des informations sur les gens qui réussissent, sur les livres à lire, sur le top 10 des bourses, etc. Vous avez également des masterminds qui sont annoncés, notamment celui de Alexandre Mandula, que vous voyez là à gauche, en bas, ou d'autres choses encore qui sont très intéressantes et très performantes. Bien sûr, il ne s'agit pas de quitter le navire au passage et de ne rien faire, parce que des gens qui pensent des fois, qu'est-ce que ça a à voir avec l'investissement? Eh bien, ça a à voir que nous sommes intéressés par les finances et que nous proposons des textes et des témoignages de gens qui ont réussi pour vous montrer le bon exemple de gens qui ont investi un jour et qui vont récolter les fruits plus tard. Des gens qui ont fait des choses très astucieuses dans la vie et donc on vous donne des exemples. Et parfois, certains membres ou certains internautes ne comprennent pas pourquoi on parle de cela. Eh bien, c'est parce qu'il faut se comparer à ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir investir dans une société étrangère, mais sans grande connaissance. Donc, parfois, on a le vocabulaire, par exemple, qui est utilisé en bourse, qui est indiqué dans cette rubrique. Et ce sont des articles très intéressants à lire et à relire, parce qu'il y a des histoires très lucratives de gens qui ont réussi dans le domaine des financements et de l'argent. Voilà donc pour la rubrique des nouvelles de SolarGroup, qui est donc également une rubrique qui est entièrement en français et que vous pourrez lire avec les images en français. Les activités du partenaire sont le partage des informations. Il est important de partager les informations, je vous l'ai dit au début d'ailleurs, que le partenariat consiste à promotionner. Beaucoup de gens disent « je ne comprends pas le travail qu'il y a à faire ». Vous prenez par exemple un article que je publie avec une photo traduite en français, un texte correctement traduit en français et vous cliquez sur « partager ». Et en cliquant sur « partager », vous rajoutez votre propre lien de parrainage, bien sûr, en haut, pour que les gens qui sont intéressés à lire et qui ont lu et qui sont intéressés par le business puissent s'inscrire avec vous, pas avec moi, avec vous. Mais pour cela, encore faut-il mettre votre lien de parrainage dans le texte. Eh bien, quand vous faites « partager », Facebook, par exemple, ou d'autres, vous proposent de mettre un propre texte, votre propre texte en haut. Eh bien, il faut rajouter votre lien de parrainage pour que les gens puissent s'inscrire et puissent partager ensuite leur savoir-faire, les gains aussi, parce que n'oublions pas qu'on est là pour gagner de l'argent et que vous, en tant que parrain, vous allez gagner 15% au premier niveau si la personne décide d'apprendre un pack. Vous voyez? Nous avons également le groupe Telegram. Je vous le conseille vivement. Nous avons également des groupes WhatsApp. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour chaque pays. Et nous sommes en train de travailler également dans ces différents groupes WhatsApp pour les améliorer, pour trier les gens qui sont, parce que nous faisons une sélection de gens qui sont par pays dans chaque groupe. De telle manière à ce qu'il n'y ait pas trop de mélange et que les gens se retrouvent enracinés autour de ceux qui sont proches d'eux. Dans les groupes WhatsApp,
eh bien, nous diffusons les informations officielles, les informations qui ont été publiées dans le back-office. Nous avons également sur Telegram un grand forum qui vous permet de chatter, c'est-à-dire de poser des questions. La plupart du temps, c'est moi qui réponds aux questions. Et nous avons également d'autres internautes qui se sont mis à répondre aux personnes qui posent d'innombrables questions et sur lesquelles on les renvoie souvent sur soit le support, soit sur des textes qui sont à lire et qu'ils n'avaient pas vus. Eh bien, c'est la... L'intérêt, c'est d'être sur Telegram, qui est une nouvelle application qui ressemble un peu à WhatsApp, je ne connais pas. Et sur Telegram, nous avons donc des informations qui sont données à longueur de journée. Par contre, aussi, ce qui est important, c'est que sur Telegram, vous avez, par exemple, une rubrique qui n'existe que pour les gens qui ne veulent pas chatter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un canal. Le canal permet de vous donner que les informations et pas le blabla, comme je dis des fois, des autres, que l'on n'a pas forcément envie d'écouter ou de lire. Voilà donc pour Telegram. Telegram est très intéressant. Je vous invite fortement à y adhérer. Nous avons actuellement plus de 2400 personnes qui sont membres du groupe Telegram. Vous voyez qu'il y a un bon potentiel. Sur votre page d'accueil, vous avez les sources et les nouvelles officielles. Alors, vous avez sur la page d'accueil également donc les sources des réseaux sociaux. Si vous ne savez pas comment aller sur Telegram, je vous invite à cliquer sur les logos qui se trouvent à gauche. Vous voyez que sur la page d'accueil, vous voyez Facebook, YouTube, Telegram, Telegram encore parce qu'il y en a deux. Il y a le forum et il y a le canal, je vous le disais à l'instant. Il y en a un qui donne des informations, que des informations, et l'autre qui donne que... les informations et le forum, c'est-à-dire le chat. Vous voyez également qu'en langue française, nous avons Facebook, YouTube, Telegram, donc deux fois, je l'ai dit, et Skype, qui permet également d'avoir des informations. Ceci dit, Skype, voilà, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, j'ai quand même une nette préférence entre Facebook et Telegram, vers lesquels je vous oriente. Je voudrais vous parler brièvement du club de partenaires, qui est une communauté internationale des affaires, pour terminer cette soirée, parce que ce club des affaires internationales est un club où vous allez pouvoir accéder, mais c'est réservé, comme je dirais des fois, à l'élite des membres de Solar Group. Les avantages du club de partenaires, c'est d'avoir un environnement fort, donc c'est-à-dire que vous êtes entouré de gens qui ont les connaissances et qui vont pouvoir vous les transmettre. Une motivation financière parce qu'on va vous donner de l'argent en plus de ce que vous gagnez déjà. Des formations parce que là, on vous explique aussi comment faire et on a parfois même des formations physiques en Russie, par exemple, lorsque nous y allons. Les voyages de club, ça vient aussi. Ça, pour l'instant, c'est un peu suspendu à cause du Covid. Les conditions d'adhésion sont les suivantes. Vous êtes master et vous devez gagner comme bonus 1 000 $. Donc, sur... l'argent que vous récoltez, vous devez gagner 1 000 $ par mois. Et à partir de 100 $ donc d'investissement, c'est-à-dire c'est 10% du montant que vous avez gagné. En tant qu'expert, vous devez avoir 2 500 $ de revenus mensuels comme bonus. Et vous devez avoir investi au moins 250 $ personnellement, soit 10% du montant que vous avez récolté. Et en tant que professionnel, 5 000 $ et à partir de 500 $ d'investissement. Mais vous devez garder le cap pendant 3 mois sur ce niveau. C'est-à-dire que si vous faites ces chiffres-là pendant 3 mois, eh bien vous serez, vous adhérerez au club. Sinon, il va falloir recommencer et ce sera pour les 3 mois suivants. Remplissez les conditions régulièrement, tous les mois, tout au long du trimestre. Et vous serez largement gagnant et vous aurez des tas de choses. L'environnement fort dont on parlait sont les personnes que vous voyez ici, y compris moi-même, qui vont pouvoir vous entourer, vous donner des conseils. Nous faisons régulièrement notamment des masterminds. Les masterminds sont destinés à des gens qui veulent avancer et avoir des grands renseignements et surtout des renseignements de la part des plus grands coachs. Et Alexandre Mandoula, notamment, vous faire des démonstrations de ce qu'il fait, ou Gaurav Kumar, qui est donc le partenaire national de l'Inde,
vont vous délivrer leurs secrets pour que vous puissiez vous aussi avancer. Quels sont les avantages du club? Une fois que vous êtes adhérent au club, on vous offre 1% en plus sur la première ligne, 1% de plus sur la deuxième ligne, une récompense unique lorsque vous passez le statut d'expert ou de professionnel. On va vous verser 500$ en tant qu'expert ou 1000$ en tant que professionnel en espèces sonnantes et trébuchantes, je précise, car ce sont des vrais dollars que vous allez avoir eu dans votre compte, mais vous les aurez qu'une seule fois au moment où vous allez passer votre statut. Le bonus pour dépasser la qualification deux fois, c'est-à-dire que si vous faites le double de ce qui vous est demandé en qualification, on va vous offrir cette fois-ci un pack de 1000$ d'investissement à l'étape où vous êtes, l'étape actuelle, l'étape en cours. Voilà pour les formations. Les formations, elles se déroulent à Moscou souvent. Celle-ci, dont vous voyez l'image, est à Moscou. Il faut s'apprêter à aller à Moscou si vous êtes dans le club des partenaires, parce qu'on vous est invité à faire notamment des excursions en groupe ou des voyages. Mais en ce moment, c'est suspendu à cause du Covid. Ça viendra, mais je vous en conseille fortement de venir avec nous dans le club. Il y a notamment, par exemple, du rafting ou du quad ou du parapente à Sochi et beaucoup d'autres choses intéressantes avec les membres du club. Et on vous conseille vraiment de faire partie des membres du club. Donc, c'est donc avec ces quelques mots que je finis ma présentation. Vous pouvez devenir partenaire de Solar Group et gagner beaucoup d'argent avec nous. Et je vous rappellerai que cet argent, vous pouvez le retirer ou l'investir dans des packs. À présent, je vous cède la parole. Je vais donc revenir à l'écran et arrêter mon partage. Et je reviens avec vous ici pour répondre à vos diverses questions, bien sûr, questions si vous en avez. À quoi sert le cloud? Alors, le cloud sert à héberger, simplement à héberger le site internet de Solar Group. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est dans le cloud, c'est une performance, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément un endroit bien précis. Alors, je vois que quelqu'un fait greu-greu avec des assiettes. Merci de couper les micros, c'est gentil. Voilà, qui est fait. Eh bien, nous pouvons dire que la société héberge le site dans le cloud, c'est-à-dire sur le nuage, comme on dit simplement. C'est une formulation technique qui permet d'expliquer. Parfois, on a le problème de passer pour l'identificateur avec des pièces d'identité. Merci. Ah, ouais, j'ai pas très bien compris. Bonsoir. Parfois, on a le problème de passer pour l'identification avec des pièces d'identité. Non. Si votre pièce d'identité est périmée, c'est logique. Si votre pièce d'identité, vous avez donné des mauvaises indications, c'est normal. Je vois qu'il y a une question, comment devenir membre du club? Je l'ai expliqué à l'instant. Il faut avoir plusieurs mois consécutifs, 3 mois consécutifs, à atteindre un certain niveau de bonus de parrainage, 1000$ pour les masters, 2500$ pour les experts et 5000$ pour les professionnels. Et vous devez dépenser 10% du montant que vous avez gagné, c'est-à-dire 100$ pour les masters, 250$ pour les experts et 500$ pour les professionnels dans des packs. Ce sont les conditions, il faut les remplir pendant 3 mois et ensuite vous ferez partie du club. Espérons avoir répondu à vos questions. Pour la vérification, vous ne savez juste pas lire ce qui est marqué sur le document. Je m'excuse de vous le dire comme ça, mais je corrige beaucoup de gens et 99% du temps, c'est juste des fautes d'inattention. Vous ne recopiez pas ce qui est écrit sur vos documents. Vous remplissez de tête des choses que vous pensez savoir. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande de recopier à la virgule près ce qui a écrit. Et quand on vous dit que vous habitez dans un quartier, vous avez un onglet où il y a marqué rue, square, quartier, etc.
bien, si vous habitez dans un quartier, vous choisissez quartier, et dans la ligne qui est marquée en dessous, vous nous marquez, il y a marqué nom de la rue, vous écrivez ben, le nom du quartier, tout simplement. Mais vous devez recopier ce qui est marqué sur vos certificats, et les gens rajoutent des choses. Ou alors, il y a marqué bâtiment, numéro, etc. Et les gens mettent plein de choses là-dedans, ils mettent des 0, des 1, des 2, enfin, tout ce qu'on veut. Ils vont même jusqu'à mettre leur nom. Il n'y a rien à mettre là-dedans. Vous mettez tout sur la même ligne et vous mettez des points à l'intérieur de ces trois cases et ça passera tout seul. Et la pièce d'identité, si elle ne passe pas, c'est que soit elle est périmée, soit vous avez oublié d'indiquer par qui elle a été produite. Il faut indiquer comment, à quelle date elle a été délivrée et par qui. C'est indiqué normalement dessus. Ou alors vous avez une autorité qui l'a délivrée. Et c'est comme par exemple en Côte d'Ivoire, c'est ONI, c'est l'Office national d'identité, et vous marquez Office national d'identité ONI, et c'est tout. Il y a d'autres pays qui ont ONI, par exemple le Burkina Faso, donc vous pouvez aussi marquer ONI, c'est pareil, c'est l'organisme qui délivre. Si la pièce d'identité ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose dessus, ou alors vous l'avez perdu, ou vous avez mis un mauvais chiffre, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que, ou alors elle est périmée, tout simplement. Et on ne peut pas mettre, sauf en Côte d'Ivoire, où c'est particulier, où on peut mettre les pièces d'identité parce qu'il y a un décret qui le permet, parce que les nouvelles cartes d'identité ne sont encore pas sorties, mais c'est le seul pays où il y a un décret. Par exemple, au Congo, on sait que c'est les cartes d'électeurs qui font office de carte d'identité, c'est encore autre chose, mais voilà, il n'y a pas de raison parce que ça ne passe pas. Ou alors, vous n'avez pas téléchargé les deux côtés. Il faut télécharger le recto et le verso, deux photos différentes. Bon, je ne sais pas, il y a des tas de raisons qui pourraient faire que. Mais sachez tout de même que quand on fait la vérification du compte, eh bien, vous avez une inscription qui est donnée par l'opérateur. L'opérateur qui a traité votre dossier vous donne une explication. Il vous écrit en bas ce qui ne va pas. Vous ne lisez simplement pas ce texte et vous ne regardez pas ce qui est écrit. Ou alors vous ne le comprenez pas. Ou alors vous ne cherchez pas à le comprendre. Moi, j'ai tellement vu de gens qui m'ont montré le texte et qui, en fait, ne comprennent juste pas ce qu'il y a écrit. Pourtant, c'est simple, il faut juste lire. Ou des fois, on vous donne la raison exacte pourquoi ça ne passe pas, mais les gens ne le lisent pas. Et ils disent, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ah, pourquoi ça passe pas? C'est écrit. Ah bon? C'est écrit où? Eh bien, dans le texte, juste là où il y a le refus en dessous, on vous dit ce qui ne va pas. Il faut lire. Le gros problème dans la plupart de ce que nous faisons, c'est que beaucoup de gens regardent les images et ne lisent pas. Un peu comme les petits enfants qui regardent des bandes dessinées et qui ne lisent pas ce qu'il y a écrit. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. J'habite en France, mais ma vérification a été rejetée deux fois. Oui, parce que vous ne lisez pas la raison qui fait que vous avez été rejeté. C'est écrit. Sinon, contactez-moi, je vais essayer de voir. Mais je vous démontrerai par A plus B que c'est moi qui ai raison. Et à ce moment-là, vous me donnerez un petit pourboire, n'est-ce pas? Parce que vous n'aurez pas su lire. C'est tout con. Pardon, c'est tout bête. mais contactez-moi. Je suis également partenaire national de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, bientôt du Cameroun. Je suis aussi là pour vous aider si vous avez vraiment des grosses difficultés. Mais je vous assure que la 3 quarts, 90% du temps, vous ne visez juste pas ce qui est écrit. C'est tout. Indique pas le nom du rue du bâtiment. Mais c'est égal si on ne vous indique pas le nom de la rue et du bâtiment. On indique quoi? Quartier, maison, etc. Ben, vous écrivez ce qui est écrit. Pourquoi vous voulez chercher quelque chose qui n'existe pas? Je vous ai dit que bâtiment, vous mettez un point dedans. Et immeuble, vous mettez un point si ça ne vous concerne pas. Et ce n'est pas dans les pièces d'identité. Il faut chercher un certificat de résidence. Vous devez aller à la police, chercher un certificat de résidence, ou ça s'appelle aussi une attestation de domicile. En France, ça s'appelle un justificatif de domicile, qui est beaucoup plus simple à obtenir. On n'a pas besoin d'aller à la police, on prend une facture. Dans les autres pays, évitez de prendre des factures, parce que généralement, la facture d'électricité n'est pas à votre nom. Elle est au nom du propriétaire, donc ne jouez pas avec ça, ça va être refusé, et vous n'allez encore pas comprendre pourquoi. C'est parce que vous envoyez un autre nom sur le papier que le vôtre.
On pourrait, pourrait-on avoir votre mail? Oui, pas besoin de mon mail, je suis partout sur les réseaux, allez sur Telegram, sur WhatsApp, je suis dans tous les groupes, Gilles Weber, je suis également sur Skype, je suis sur Facebook. Sur Facebook, c'est Gilles.Weber, W-E-B-R 70. Tiens, d'ailleurs, je vais vous l'écrire. Comme ça, vous pouvez, voilà. Je vais vous donner celui de Facebook, par exemple. J'espère que vous êtes sur Facebook, la personne qui m'a écrit. Voilà. Donc, je vous donne Facebook. Voilà. Je vous donne également Skype, si vous voulez. Voilà, je vous donne mon Skype. Vous pouvez également me trouver sur WhatsApp. J'y suis partout. Je suis également sur Telegram, sur le groupe officiel Telegram. Vous pouvez me retrouver. Sinon, posez les questions à travers les groupes. Les gens vous donneront les liens et je suis partout là. Vous pouvez m'interroger en inbox, comme on dit. Et je peux vous venir en aide, mais pas juste pour me dire coucou, il faut faire ma vérification. C'est vraiment si vous avez des gros problèmes et que vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas lu, encore une fois, je le dis, bien, je peux éventuellement venir en aide. J'ai l'autre jour une dame qui ne comprenait absolument pas pourquoi ça ne passait pas. Elle avait déjà essayé 10 fois et ça ne passait pas. Et quand je suis allé voir, elle avait fait moult erreurs, quoi. Elle avait date de délivrance de sa pièce d'identité, elle a mis sa date de naissance. Quelle autorité a délivré la pièce d'identité? Ben, elle a mis sa date de naissance. C'est une question, vous voyez, c'est le genre de truc, quoi. Et quand on voit ça, quand j'insiste en disant que vous ne lisez pas, c'est la vérité. C'est que vous faites n'importe quoi. Vous ne lisez pas ce qui est écrit sur les documents. Si vous habitez la maison verte et que sur le papier il y a marqué que vous habitez la maison rouge, il ne faut pas écrire la maison verte. Il faut écrire ce qui est marqué sur le papier. Faut pas écrire autre chose. Le problème, c'est que dans la vérification, les gens qui font la vérification font la comparaison entre ce qu'il y a sur votre document et ce que vous avez écrit. Si vous avez écrit autre chose, c'est pas bon. D'accord? N'hésitez pas, vous pouvez me contacter, je ne peux pas vous jeter. Je vais peut-être vous raisonner un peu en vous disant, mettant le doigt sur les points sur les i, là où vous n'avez pas su mettre vos yeux et comprendre, mais sinon, c'est pas très compliqué. 90% des erreurs des vérifications, c'est l'adresse. Donc, c'est les gens qui ne savent pas où ils habitent. Des fois, il y a des gens, ils habitent dans une boîte postale. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait se mettre dans une petite boîte comme ça. Moi, je croyais qu'on habitait dans des maisons. Il y a des gens, des fois, ils disent qu'ils habitent dans une boîte postale. On veut savoir où vous habitez, votre adresse. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, je suis là pour répondre avec grand plaisir. Le partenariat, c'est quelque chose d'important. Nous n'en parlions pas aussi largement auparavant. Je voudrais inviter tous les Camerounais qui sont actuellement dans le pays et qui se mobilisent de venir me voir, de venir nous rencontrer avec moi et mon assistante Barbara pour que nous puissions vous expliquer en long, en large et en travers le principe de fonctionnement du partenariat et du projet des moteurs de UNOF, et que nous puissions bientôt ouvrir le pays du Cameroun, qui est également un fort potentiel dans le projet. Encore des questions? Non? Ça ira? Bien, si vous n'avez plus de questions, je vais vous rendre l'antenne comme d'habitude. Je vous invite au replay. Si vous êtes en train de regarder le replay, nous avons également les gens qui viennent un peu d'extérieur et qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir des informations sur Solar Group, eh bien, vous pouvez, je vais vous donner un lien. Bien sûr, si vous avez été invité par quelqu'un, tournez-vous vers la personne en question. Je le précise, voilà, pas qu'on pense que je veuille détourner des gens. Les autres personnes, vous pouvez cliquer sur solargroup.fr voir les explications du projet. Et si vous êtes intéressé par vous inscrire, vous pouvez également me contacter. Il y a également des possibilités de me contacter par ce biais-là. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'explication du projet des moteurs du UNOF. Également comme invité, M. André Lobov, qui est un professionnel des moteurs électriques en Russie et qui est en train de réaliser un kit
qui permettra de transformer toute moto électrique, toute moto à essence en moto électrique. Donc voilà. Merci. Bye bye. À très bientôt. Bonne soirée à tous.